Camila et Poupette Kenza réunies avec leurs enfants à Dubaï ce soir, une grande amitié entre les deux femmes. Ce soir, Poupette Kenza était invitée chez Camila Inouré avec ses enfants et sa nanny. Les deux femmes sont de plus en plus proches. Camila a toujours défendu et soutenu Poupette pendant les polémiques. La maman de Kenan a préparé un bon repas pour ce soir et les deux mamans ont fait un TikTok ensemble. Kenza a partagé quelques stories de ses enfants, mais pas beaucoup. Ses snaps la concernent plus sur ses réseaux depuis son retour. D'ailleurs, la jeune femme a précisé avoir pris quelques décisions que les poupettes vont forcément remarquer au fil du temps. Je vous laisse avec la story de la soirée de Camila et Kenza. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Surtout lui, là. Lui, c'est plus mon petit cœur que toi. Et Seyana, Laurel. Mon bébé, tu vas jouer avec Seyana après manger? Happy birthday, maman. Happy birthday. Oh, ok, si tu veux. Voilà, on va se passer une bonne petite soirée. Je viens de tout poser. Les enfants, après, ils vont aller s'amuser. Et voilà, voilà. Je vous explique. Kenza est en train de me détourner. En fait, elle me dit que je suis trop endormie et elle n'a pas tort sur certaines choses. Et elle me dit, pourquoi t'es pas sur TikTok? C'est vrai que j'ai mon TikTok, mais j'ai dû faire peut-être 3 vidéos en 2 ans, 3 ans. Elle me dit, mais tu es sérieuse? Je dis, ben oui, mais pourquoi c'est toute une organisation en fait? Elle me dit, non, non, allez, on va faire un TikTok. Je dis, mais comme ça? Elle me dit, oui, on va faire un TikTok. Bon, TikTok à 22h30, en pyjama. Pas mal, là. On va les brochures qui ne tiennent pas ici. Regarde, je fais ce matin. Ouais, mais toi, tes cheveux, ça n'a rien à voir, franchement. C'est vrai, mon vieux, tu trouves. Mais là, ils sont cas, avec l'humidité et tout, ça a tué. Parce que je ne mets pas de sérum. Oui, j'en ai mis, mais vas-y. T'as ton sérum de brillance, là? Ouais, je l'ai. Ok. Les filles, demain, je viens d'apprendre. Bah, je sais pas, un petit coup de frais, mon bébé. Un petit coup de frais, on me blâche un petit coup. Vas-y, si tu veux. Et je viens d'apprendre que c'est Anna, demain, son école, elle est fériée. C'est fériée. Mais oui, c'est le moment. Camila qui me l'a appris, j'allais débarquer à 8h du mat. C'est pour ça que j'ai pas compris. Tout à l'heure, la maîtresse, elle me dit lundi, vous oubliez pas ces sports. Mais purée, pourquoi elle t'aurait dit demain, sinon. Voilà, elle m'aurait dit à demain. On est d'accord ou pas? Bah oui. Et... Ok. Anne, dès que je finis tomatoes là. Non, 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 t'inquiète, après moi. T'inquiète, regarde, on fait la même chose. Et je tiens à dire qu'elle est en train de me poster mon TikTok. Coucou. Est-ce que c'est normal qu'elle me poste mon TikTok? Voilà. Moi sur Insta, sur Snap très active, Insta moyen, TikTok pas du tout. Genre j'ai posté 3 vidéos. Et là, bah écoutez. Voilà, mais vous pouvez aller voir. On va se remettre.